Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mario Picross. Bah oui, faut qu'on avance nos petits Picross, hein. Allez. Il faut qu'on finisse les easy Picross, c'est qu'on... On aille vers les vrais Picross ensuite. Non, sans indice. Hop. Toutou. 3-3, donc on sait que ça va faire ça. Ok. 5-2. 1-2. 5. Ok. Donc le 2 est ici, le 3 va être là. Donc là, j'ai mon 2 et mon 1. Non, ah mais non, c'est pas ça que je vais faire, c'était... Pas que je me trompe de bouton. C'est bête. Alors, donc là, il n'y a rien. Donc là, il y a quelque chose sûr. Ah, j'ai pas vu. Un, deux, un. Donc le 2 est forcément là. Là, à nouveau, c'est un 1. On va débloquer le 5. Mm. 3 et 2. Et ben, là. Qu'est-ce que ça peut être, ce truc? Oh, 1-2-1-1, pas 1-1-2-1. Donc là, c'est... J'ai mal lu. Qu'est-ce que je fais? 2-1. Je fais des bêtises, hein. Alors... Oh, c'est un bout! C'est un bout! Boudidly! Apparu dans Super Mario Bros. 3, que vous pouvez découvrir d'ailleurs en let's play entier sur ma chaîne. Là, le 10. Ah bah parfait, on a le 3 et le 3. Bien avancé là. Le 6 ça fait ça. Ok, 2 et 2. Donc on sait qu'il va être de part et d'autre, mais on n'a pas plus d'indices. 1, 2, 2, 1, 1, hop, 1, 2, hop, 1, 2, hop, 1. Ouais donc. 1, 2, et même 1, hop, 1, 2. Ça fait forcément. Ceux-là sont forcément pris. Là il y a un 3, donc t'as forcément. Un là. Et là, 1 et 2, ça fait forcément ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Fait une jarre là. Non! Ça c'est le. Ah non, j'allais dire le navet de Super Mario Bros 2, mais j'ai pas l'impression en fait. La super carotte de Mario Land? Oh non, il y a déjà 4-1. Oh lourd.
dirait une tête de Tamagotchi. Une tête de panda. Yes. Bien joué. Ok. Non. Alors, 1, 8. 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 et 3. 11 bien là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ok, alors 2, il est bon. Un canard. Ça a l'air d'être un canard. Un canard. Un duck. Un wild duck. Un canard sauvage très important. Ça se voit bien, hein. On voit très bien la différence d'ailleurs là. Ok. Non, sans indice. Oh, le 9. Ok, comme ça. 2. On sait que ça va forcément être comme ça, avec les 2. Et 4, on sait qu'ici va être grisé aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 1, 1, 4. 1, pouette. 1, pouette. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça, là, c'est sûr où ça se croise. Donc là, on peut en conclure le 4 horizontal. Ok, et là, on est bien parti. Donc 3. Il n'y a qu'une seule place pour le 3, c'est là. Donc, comme il y a 5, ça, c'est comme ça. Horizontal, 3 et 1, c'est fait. 1, 2, 1, on peut le faire. 3 et 5, on sait que cela va être grisé. Ça, on sait que c'est des 1. Là, le 4. On l'a. Donc là, soit c'est le 1, soit c'est le 2. Je pense que c'est plutôt le 2, mais je vais pas le tester. Parce qu'on n'a pas de preuve. 4. Oh, j'avais une possibilité qu'il n'y ait rien là, mais c'est pas grave. J'ai eu du bol. Ah bah, c'est le 1, là, tu vois. Donc le 3 va être là. Ça avance pour le 5. Un caneton. Deux, un et cinq. Ça ressemble à un caneton. Un caneton sauvage. Logique, il va être là, mais bon. J'attends d'avoir une preuve sûre. 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1. Voilà. Un ducklet. Un wild ducklet. Un chicken. C'est un poussin. C'est un poussinou. Un poulet. Un poulet plutôt. Hein. Un chicken, un poussin. Ok. Alors, 7. Donc, on va faire celui-là. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ça va jusque-là vu qu'il y a un 1 en dessous. Donc ça me donne le 6. Là, ça me donne le 2 en horizontal. 1, 1, 1 et 2 à nouveau. Vertical, 3, 2 et 1. Donc le 7, on sait qu'ici, il n'y a rien. Donc le 5, vertical, ouais.
Hop, voilà. 6 et 1, regarde. Le 3. Je pensais que c'est un 2 en horizontal. Et là, un 3. Horizontal, le 4. Là, on sait que c'est un 1. Et là, un 1 en vertical. Un, un, six, ouais. Alors le 5 là. Un, 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 deux, trois, quatre, cinq. Ok. 3 et 1. 3, 1, 1, 1. Bah là on sait que c'est un 1. On a un là. Ici rien. En bas là, c'est des 1. Là, il y a encore un 1. Un escargot. Alors, 2, 3, 1, 1, 2. Oh, il y a... Ouais. Ah, il l'opère. Oui, c'est clairement un escargot. Il va être là, hein. Là je peux m'en assurer. 1 1 4, voilà. A snail, c'est bien, on révise l'anglais comme ça en même temps. Alors non, pas besoin d'indice. Oh regarde, il y a du 10. Il y a du 8, donc on sait que ça peut aller potentiellement jusque là. Le 7. Ok. Le 7, là. Comme ça. On fait les verticales. Ça c'est le 1. Et ça c'est l'autre 3. 1, 3. Donc il est possible que le 1 soit là et que ça soit un bout du 3. Mais pas encore sûr. Mais comme on a 1, 1, 3 là, on sait que ça va faire ça. Voilà. Okay. 4. 1, 1, 2. Donc on a tout là. On peut placer le 8. 1, 1. On a tout. Ah, on va pouvoir finir pas mal de trucs là. On finit les 5. Les 5. Ce 5 là, donc revient le 7 là. Ça c'est très pratique de faire les bords. Oh, c'est la tête de Mario ça. Ah, c'est grave la tête de Mario de profil. Mario, tout en capital. Oh, bien sérieux. Alors 10, on peut noircir ça déjà. Bon, ils sont encore gentils pour l'instant et ils prennent pas toute la largeur. 1, 1, donc on a tout. 1, 2. Pouette, 6, 6, 1, 6, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop, et 1. Encore 6, et ben on va faire tous les verticales là. 1, 1, 1, 1, et là 10 encore. Une bouteille. Moi je veux une bouteille. Hein. Ah non, un rouge à lèvres.
Lipstick. Yes. Bravo. Alors, 14. 13. Ok, 10. 8, donc ça va être le central. Ok, là, j'ai un 12. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ouais. 11, donc c'est le même avec un de moins, sachant qu'il y en a un de plus là, donc je peux enlever celui-là, et donc ça me donnait le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, là, je peux tout relier, ça fait 8, donc on l'a. Vertical, pas de 3, pas de 5, ça tient pas. Idem ici. Ça m'avance le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un chapeau. 2 et 5. Donc là, on sait que c'est le 2. De toute façon, là, le 3. 5 en vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3. Là, c'est un bout du 4. Là, idem. 3. Ok, une cloche. Alors, le 5 horizontal. 1, 2, 3, 4, 5. Idem. Là, c'est 8. On peut tout relier. Ah, ça fait ça du coup. 1, 6, 2. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mes 2, 5. Je peux finir le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est un chapeau. Définitivement un chapeau, je dirais. Hop, un haut de forme. A hat. A silk hat. Silk, c'est pas la soie. Alors. Les 15, ça va. Du coup, bon, je vais pas tout faire parce que, voilà. En gros, ici, il y a rien. Voilà. 3. Boum. Ah bah ici non plus, en fait. Oui, oui bah, tout ce qui est en bas, voilà, tout ce qui est en dessous, là, c'est bon. 3, 3, et ben en fait... Ah. Ah bah non, je suis con, bah oui. Rien me prouvait que c'était 3 qui partaient dans un sens et 3 de l'autre. Pourquoi j'ai fait ça? En revanche, là, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et eh ben voilà. C'est une hache. Tiens, j'ai un trou. Comment on dit hache en anglais?
Comment on dit H, tiens? Axe. Axe, bien sûr. Non, je croyais qu'il y avait un E. Quasi sûr qu'il y a un E. Non. Donc, entre ça et ça... 10... plus le 1... 12... non, ça fait jusque-là. 8, 4, 1. Alors, 4, ça jusque-là. Hop, 1, hop, et 8. Donc, on a tout. Alors, le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ben, c'est tout. Donc, on peut faire toutes les verticales. Là, il y a un 2, donc hop, ici, pareil. Et là, pareil aussi. Là, un 9, donc c'est toute la largeur. Hop. 3. 5, on peut relier. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. 4, 3, 1, 4. Et bien, le 4, on l'a là. Donc là, ça s'est relié. 9, on peut le faire. 1, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Un poil. Comment on dit ça en anglais du coup? Oven? Wood stove. Oven. Oven, c'est un four. Wood stove. Déjà 13. Ouf, j'ai eu du bol. J'étais lancé sur le 13, mais ben, le 11, ok, ben, j'ai eu du bol. Alors, 5. J'ai eu beaucoup de bol. Un autre 13. 11. Ah bah attends, parce que t'as tous les 15 aussi là. Là. On avance pour le 6. Et bah, je peux finir le. Ah mince! Mauvais calcul. Une voiture? 3, 1, 4, 1, 2. Donc ça c'est le 2. Est-ce que c'est le 4 ça? 3, 4, 2. Ça c'est forcément le 4 de celui-ci. Là on a le 2 et là on a le 3. 2, 4, 1. 3, 1, 4. Sinon on n'a pas la place. 1. 2. Trois, un. Ça fait ça. Donc là, je peux faire le 11. Donc on relie le 9 et le 7. Enfin, le 7, il est fini, d'ailleurs. Une locomo... Non, attends. Un tracteur.
si, c'est une locomotive. A train. A locomotive. Come on, baby, do the locomotive. Alors, pas d'indice. Ok. Le 9, c'est toute la largeur. Idem, on va faire tous les 9. En horizontal, ce sera fait. Ok, en vertical, il y a du 9 aussi. Donc, ils sont forcément... Tout est relié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a encore un. On ne sait pas s'il est en haut ou s'il est en bas. La même chose de l'autre côté. Voilà. Ça affine déjà. 1 et 1. 1, 2, 4 et 1. Forcément comme ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être? 3, 3, donc là, 3, 3 et 1. 2, donc là on a le 5. Là on a 7. Hop, 8 et 1. Une glace. Deux, quatre, un. Là, pour qu'il reste 1 et 1, on n'a pas le choix. 8, 5, 2, 2, 3. 2, 5, 5, 4. 4, voilà. Ice cream. Frozen pop. Oui, bon, frozen pop. C'est un type d'ice cream. Alors, du 0 sur le côté, comme d'hab. Pouf. 2 et 8. 1, 2, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 6, 1, 2, 3, hop, 1, 2, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux placer 1 du 3 du coup. Si je fais 6, hop, 1, 2, hop, 1, 2, 3. Celui-là, il y est forcément. Et ça va être pour le 6 horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, pas de 5, pas la place. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le 3. Le 4 vertical, le 5 vertical, le 2 et le 3 et le 2 là. Ok. Pas mal. Là, j'ai le 3 horizontal. Ça m'avance un peu le 6. Ah bah le 6 justement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 horizontal, très bien. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. 1, 2, ça m'aide pour le 5. Donc soit 4 en haut, soit 4 en bas. Et le 8 là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, en vertical, j'ai le 3. Donc 3 et 4. Bah forcément, le 3 et le 4. Donc 2 et 8 en vertical, 3, ça c'est un 2. Ah mais est-ce que cette possibilité là? Donc 2, 1, 3, 2, et là c'est le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Oh, une carotte. Là, ça sent la carotte. Ça sent très bon la carotte. 2, 1, 1, 1, 3. Ok. 5, 1, 1, 4. 5, 1, 1. Ah oui, si.
2, 2, 2. Hop, 1, 1, 1, 4, 3, 1, 1, 2, on y est, 2, 2, 4, là c'est 5, et ben voilà, a carrot, a good carrot. Good carrot, ok. Non. Tac. Alors 12, ça va jusque là. Et 14, ça va jusque là. 11 et 3. Voilà, tout est rempli. 8 jusqu'au centre. 9, 1, 1. Alors, 1, hop, 1, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 8, 3, bah tout est rempli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, 1, 2, 3. Les verticales. Du, 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 du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pof. Et j'ai mon 3. 1 baleine. Une, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi je te dis c'est une baleine. Comme dans Super Mario Bros. 2. Qui est aussi disponible en let's play complet sur ma chaîne. N'est-ce pas formidable? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va y aller 1. Regarde, elle fait son petit pchip pchip pchip. A whale. Et voilà, je l'avais dit. Ok, hop, 12. Alors, là t'as le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 6, paf. Mince. C'est à côté. Voilà. Et 3, bah là on sait pas si c'est le 2 ou si c'est le 3. 3 et 2, ah bah si on le sait, c'est le 3. Une chaise avec un petit effet 3D. Sept et 1, donc là y'a rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors le 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, pof. 2, 2, 4, ça c'est le petit effet 3D donc c'est la barre du fond. 2, 2, 5. Ok.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A chair. Yes. Beautiful. Alors, t'as le 0. T'as le 0. Donc le 13 prend tout. Tu as des 15 aussi. Oh, ça va être en couleur inversée là du coup. Et 3. Oh, ça va être un sablier. Oh, genre de forme. Tellement le sablier là. 1, 4. 4. 2. 4. 7. 2. 4. 7. 3. 3. 1. 5. 3. 3. 1, 5, 1, 1, 3, 1, 1, 1, et la 3. Bingo! Hourglass. Phantom Hourglass. Qui n'est pas disponible en let's play sur ma chaîne, ce Zelda. Peut-être un jour. Alors, le 10. Le 9, du coup, par déduction. Là, on avait 7 en horizontal. Le 5 en horizontal. Un petit 2. Ça nous permet de finir le 8 en vertical. Donc, le 3. On peut affiner le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 6 et 7, et bah regarde, 6 et 7. Et bon, on va faire tous les chiffres du bas. 8 et 2. 2, 2, 2. Alors, 6. Non. Qu'est-ce que ça peut être? Des bouteilles. Bottles. Donc là, le 2. 8. Ouais, c'est clairement des bottles. Of wine. 6, 1, 2, 2. 6, 1, 2. 2, 1, 1, 2, 2. Ouais. 3, 2. 2, 3. Bottles. Now the bottles. Congratulations, the bottles. Pas d'indice, non pas... Oh, il va être tout petit celui-là. Alors, le 9. Le 10. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 10, on l'a. Ok, ça c'est un 1 en vertical. 2, 4. 1, 2, 3, 4, hop, 1, 2, 1, 2, hop, 1, 2, 3, 4. La même chose là, donc 1, 7, on l'a, en horizontal. Là, j'ai le 3. Et du coup, j'ai le 9.
Donc j'ai le simple. J'ai le 1-7. Et là, il n'y a plus rien. Ça, déjà, c'est pas mal. 1-3. Ça, ça ferme. 2-2-2. Il y a forcément quelque chose ici. Donc on a 4. 1-2-3-4-5. Le 5 en vertical, on l'a. Le 3, on l'a. 2-7-4. Une casserole. Que c'est une casserole. Mince, comment on dit casserole? Panne, c'est une poêle, mais une, attends, une casserole, c'est... Squelette? Un squelette? Squelette? Ça me dit rien du tout comme mot. En même temps, est-ce que j'ai su dire... Je pense que j'ai su dire casserole quand même dans ma vie en anglais. Il y a toujours des mots, tu sais, qui disparaissent, mais quand même, casserole. Alors, squelette, vraiment, ça me dit rien du tout. Enfin, à part quand j'ai fait Mario Spicross quand j'étais petit. Vu que ce jeu, je vous le rappelle, je l'avais fait étant petit. L'avait fini et c'est de là qu'est né mon amour du Picross. Il y a PictoQuest par exemple sur ma chaîne également si vous voulez voir un RPG Picross entre guillemets. Bien que la composante RPG soit vraiment pas du tout une composante RPG en fait, c'est juste un peu d'aventure, mais sinon c'est. Bref. 2, 2, 1. Ah 5, 1. 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 9, 7, 8, 9, ok. Donc 4, 1, 1, 2, 2, c'est bon. 2, 3, 5, on est bon. 2, 2, 2, 2, 6, 5, 2, ok. Donc 2. Oh, il y a un P par là. Oui, là. Deux, deux, cinq, donc là. 2, 2, 1, 3, une machine à café. La coffee. Comment on appelle une machine? Coffee machine? A coffee brewer. Coffee maker. Faiseur de café, ok. Un petit 15, le 7, le 7, le 9, 3, 6, 7, le 9, le 8, on va faire tout ça, ok, on a un 11 là, on a un 10 avec un 1 de ce côté là, donc ça ressemble à ça, ok, 1 et 1, là ça termine par 10 en vertical, donc comme ça, 3, 3, ok, vertical, 3, 5, 4, 3, 3, 9, le 2, 1, c'est bon, ça c'est des 1, Ok.
1, 2, donc là il y a les 2. 1, 1, 3, 1, 1, 3. Il n'y a pas 36 possibilités, il n'y en a qu'une. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça avance. 8. Comme ça. 3 et 2. Donc là, 2, 2. Ok. 3, on ne sait pas si c'est en bas ou en haut. 1, 2. 1. Là il y a 1, 2, ça fait comme forcément comme ça. Donc ça avance pour le 7. Ah le 10 là je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On finit le 7. Le 8, il est bon. Alors. Là, il y a des 1. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Donc là, c'est bon aussi. 1, 1, 1. Oh, c'est une boîte aux lettres. 3 et 6. 3 et 5. 4. 7. C'est clairement une boîte à lettres. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Voilà. Oh, avec un petit M de Mario. Mario il reçoit son petit courrier tranquillement. Mailbox. On a presque fini les faciles. Ok, du 15. 10. 15. 15. Bah du coup oui alors attends. Tant qu'à faire. Il y a du 1 tout à droite. Et tout à gauche, c'est du 1 aussi. Vertical 3 et 1. Et là 3. 1, 1. 1, 12. 1, 2, 3, 4, 5. 1. 3 en verti. 3 en verti. 3 en ori. Ok. 1, 1. Ça sera un 2. 3, 2, 8. 5, 6, 7, 8. Le 2 il est là. Part de gâteau. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On joue une part de gâteau. Attends, je vais faire les chiffres d'en bas là. 6. Ça c'est fait. 1, 10. 6 et 3. 2. 1, 1, 1, 2. Attends, 2. 1, 3. Voilà. 1, 3, 3, 3, 1. Donc là il manque un 3. Ça c'est un 5. 4 et le 1 qui manque. Donc je finis le 5. Donc je peux finir le 3. 4, 2, 2. C'est clairement pas un gâteau.
2, 2, 2. Donc là, ça se ferme, ok. Donc là. Oh mince! Oh putain, oui, il y en a 4 des. Ah! Oh. Vous, regarde bien! Mais non, c'est un appareil photo! A camera! Allez, le dernier facile. Non. Ah, il va pas être si facile que ça. 1 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah ça m'avance bien. 1, 3, 7. Ah attends, 6 et 6. 6, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y'a rien là, ça en est sûr. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ça, verti, c'est des 1. Ça c'est un 1. Ok. Là y'a un 5, forcément là. Et là ça m'aide pour le 5 horizontal. Ici le 4 il n'a pas de place. Et là c'est des 2. Ok. 1 et 11. Et bah, il est là. J'ai tout. Pas mal. Du coup je peux finir le 14. Le 1-1 là il est fini. C'est que ça va être un 2. Ok. Là, c'est un 1. 6, 6. Hop. Pof, donc là, c'est un 2. On sait qu'il n'y a rien ici. Ah, là. Et donc, l'autre 2 se trouve quelque part ici. Ah. Le 5, on finit. 1, 1, 3. Et ben voilà, on a le 1, 1 et on a le 3. Impeccable. Des ciseaux. Une paire de ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Scissors. Comme en français, au pluriel. Est-ce qu'ils sont deux? Félicitations, vous avez résolu toutes les énigmes, on va dire, toutes les énigmes dans les Picross faciles. Et là, on peut passer en Picross. Et en dessous il y a le star. Mais d'abord le Kinoko, on peut pas aller sur le star je pense avant d'avoir fini le Kinoko. Changement de musique pour l'occasion. Là, du 2, 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 2.
Un Game Boy. Je suis sûr que c'est un Game Boy. 2, 9, 2. Ça fait 9. 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, regardez comme je suis tellement en train de faire un Game Boy là. Santé. Game Boy. Game Boy. Ah, j'aime trop quand c'est des petits clins d'œil comme ça à Mario et Nintendo. Alors, 7 et 7, 14. Donc on a tout. Allez, on peut faire les vertis. Ouf. Les 5, le 3, le 1, le 1, le 3, oh c'est une étoile, Starman, l'étoile de Mario, 6, 6, 5, 5, 5, 5, tu, 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 tu. 9, 9 2 3 4 3 2 Alors là 2 3 4 3 3 2 2 OK 5 7 5 4 5 1 On est bon. C'est bon. Bon. Je sais que ça va être là au milieu, mais d'abord. Je ne veux faire que les choses quand je suis mathématiquement sûr. 1, 3, 2. Et ben du coup, 3 et 2. Bon, alors c'est bon. 2, 3. 3 et 1, 7. Starman ou Star? Star! Mais en capital! Ok. 1-0. Et plein de zéros en bas. Alors, du 12. Du 10. Ok. Du 11. Alors, sachant que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ben, on a tout. Jusque là 1 1 4 1 6, c'est forcément le 6. 1 2 3 4 5 6, hop, le 10 c'est fini. Tac, le 5 ne peut pas rentrer là. 1, ouf, je voulais taper au dessus mais c'est pas grave, j'ai eu du bol. Oh là là, la croix de ma manette est en train de décéder. 1 et 3, il est forcément là, 3, donc ça c'est forcément le 7.
Et ça, ça finit pour le 2 de chaussures. C'est un escarpin. Un escarpin. Comme sur la pochette d'Alizé. Mes courants électriques. Ah merde, oui, mal compté. Un quatre, donc là, là. Deux, deux, cinq. 1, 1, 7. Ah, c'est la chaussure de Cendrillon là. A shoe. A high heel. Un haut talon. Et ben voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. On a bien avancé dans Mario's Picross. Il faut qu'on avance sur les courses Kinoko. Les courses champignons. Allez, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez et vous consultez tous mes autres let's play sur ma chaîne. A bientôt pour la suite de Mario's Picross. Salut, salut!